Alors yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je peux pas trop vous faire de vidéo en ce moment parce que j'ai pas trop le matériel pour tout ça et que bon bah rien n'est vraiment commencé pour le moment, j'ai décidé de vous parler de mon portable, voilà, que j'ai eu pendant mon hospitalisation. Donc c'était pour remplacer celui-là. Attendez. Voilà. Voilà, donc il est bien foutu. Alors je l'ai pas cassé pendant l'accident celui-là. Celui que j'avais pendant l'accident, je l'ai dans la main là, c'est le portable d'un ami qui m'a prêté. Du coup voilà. Et du coup bah en attendant j'avais commandé celui-là et il est arrivé pendant mon hospitalisation. Donc c'est le Xiaomi Redmi Note 9. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Appareil photo 48 MP, grand angle, tout ça, voilà, tout le tralala. De toute façon il y a plein de vidéos sur YouTube si vous voulez voir davantage de descriptifs. Attendez, j'enlève la coque pour vous montrer plus. Donc la coque, c'est vraiment une très bonne coque, elle recouvre l'écran et tout avec les bords ici, donc elle protège très très bien. Donc voilà comment est le téléphone. Alors le problème c'est qu'il prend beaucoup les traces de doigts. Voilà. Il est très très propre, bon, il est pas abîmé. C'est juste des poussières, des crasses. Donc là on peut voir, il y a l'objectif. 4 objectifs, le petit flash. Et l'empreinte digitale que j'utilise pas du tout. Et vous voyez là, je fais ça. Ça se voit direct. Donc il prend là les traces de doigts. Voilà. Donc là on a un bouton. J'ai le Xiaomi Redmi Note 5 là, dans la main. Donc il est pas terrible. Il est vieux quoi. Donc là on a un bouton volume plus moins. Il fait pas le zoom. Enfin le focus bâtard. Là il y a le bouton power, chargeur type C, haut-parleur, prise jack, micro, capteur, en gros capteur pour éteindre les télés, tout ça. En haut je sais pas si c'est un autre micro ou quoi. Là on a le rack SIM, donc on peut mettre 2 SIM et une carte SD. On peut voir sur le mur, là j'ai mis un petit protège, enfin un petit verre trempé. Là il y a l'objectif avant qui gêne pas du tout. On peut voir vraiment le téléphone est très grand. Voilà. Vraiment il est top. Je vous montrerai bon les photos. Voilà. Il y a plein de modes, portrait, 48 MP, accéléré, panorama, ralenti. Enfin vraiment moi je suis pas trop photo, mais je sais qu'on peut faire pas mal de choses. Enfin, bon je suis pas doué moi là dedans. Il y a beaucoup de fonctionnalités en tout cas. Ah ouais, donc là on a la macro. Voilà, enfin je vous montre en gros ce qu'il y a. Et il y a pas mal de choix. Ouais, je sais pas, j'essaie de voir. Franchement, je connais pas trop. Moi niveau photo, je suis pas trop. Je suis pas un as de la photo. Ensuite, on va aller voir dans les paramètres, les informations. C'est où? Ah ouais, à propos du téléphone. Donc là vous voyez 128 Go stockage. Voilà. Ah pardon. C'est lui qui a fait tomber le téléphone. Vous voyez pas. En fait, il n'y a pas beaucoup de descriptifs.
Enfin bref. Bon, vous voyez, en vrai, c'est un très très bon téléphone. On va aller sur. Comment sur l'annonce. Comme ça, je vais vous montrer. Bon, je regardais un peu les ordi portables. Parce que bon, bah, je sais pas, je vais peut-être en acheter en attendant. Donc voilà. Alors là, on est sur l'annonce. Qui fait 6,53 pouces, RAM 4 Go, ROM 128, batterie 5020 mAh. Merde, je fais n'importe quoi. Je regarde le téléphone à travers la vidéo. Voilà, c'est. Il parle de la batterie. Voilà ce qu'il fait. Il fait type C, Ear Mode, NFC, Jack. Bon, il y a plusieurs couleurs. Bon, là, ils disent qu'il est à 179,99 €. Moi, je l'ai payé 168 exactement. Donc, le prix il change un peu souvent, mais bon. En tout cas, il est en dessous de 200 € et c'est un très très bon téléphone. Vous pouvez voir, il est très très bien noté. Ouais, franchement, voilà, c'est un bon téléphone. Il est livré avec une coque. Au début, il y a un protège-écran dessus. Enfin, pas un verre trempé, mais un film. Un film protecteur. On a le chargeur. On a le chargeur USB type C, voilà, qui ressemble à ça. Voilà. Le type C, pour ceux qui savent pas, en gros, ça favorise comment la charge rapide. Qui charge beaucoup plus vite que ceux-là, là. Voilà. Je vous montre. C'est le vieux. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, c'est. Ouais, vous pouvez voir, franchement, c'est un très très beau téléphone. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer mon téléphone. vous montrer avec quoi je vais faire mes vidéos et tout. Bon, après, il y aura ma GoPro aussi, mais ça, ce sera pas tout de suite. En tout cas, bah voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo en attente de tout. En tout cas, merci pour bah, les 500. Je sais pas, on va aller voir la chaîne. On a plus de 500 abonnés. Je voulais vous remercier pour ça, même sur Instagram, c'est un truc de fou le soutien que vous m'avez apporté après mon accident. En tout cas pour la moto, je vous ferai une vidéo, mais dans longtemps, on va attendre. Voilà, on a 544 abonnés. C'est pas énorme, mais pour moi, voilà, c'est énorme parce qu'on a fait un bond de quasiment 150 abonnés d'un coup. Donc c'est quand même énorme pour moi. En tout cas, merci pour ça. Merci pour tout ce que vous faites sur Instagram aussi. Donc voilà. Pour vous remercier, je vous ai fait cette petite vidéo. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais voilà, pour ceux voilà, qui avaient envie de savoir comment était mon téléphone, tout ça, bah voilà. Merci à vous d'avoir regardé, puis à plus pour les prochaines vidéos. Allez, salut les gars.